Ouais, Ignite, Fatigue, ils ont tout pour bien nous mettre au fond. Ça va être compliqué, mais ça se fait. Bon, à part nos pocs niveau 1, ils vont pas faire grand chose. On va essayer de prendre le push. Voilà, ça se fait un peu pop pour pas grand chose. Je dois me donner un fond. Les autres ne le feront jamais. Ok. Je vais laisser un peu push. Je rate beaucoup de CS. Et je peux pas trop dodge apparemment, malgré tout. L'élite se doit d'être ordonnée. La Yumi est turbo smurf là. Et ben. T'as qu'à respecter, frérot. Il est sur Yumi donc ça va. En plus il a flash. Kill sur Ezreal. Ils se battent pour aucune raison. Ok, on est sur une game de loser queue. De toute façon vu à la draft c'était évident. Ils se battent pour un Kara pour aucune raison. GG. On va partir sur un Mewtwo et on va se concentrer sur nous-mêmes, hein, écoute, je pense. On va prendre celle-là. Oui, voilà lui. Bon, j'en ai raté un, mais ça va. J'ai plus de CS forcément, du coup. Je vais me laisser push. C'est pour ça que j'ai mis Award là, parce qu'ils vont sûrement jouer avec le bush. Et au cas où qu'il n'y ait pas un jungler qui line gank. Hop. On continue de freeze les lanes. Je sais que le jungle est pas là, donc oh. Au moins ça nous empêche de se faire gank. C'est bien. Un peu de la merde. Ah là, éclater la wave, c'est chiant.
Je vais juste mettre pour un peu le gêner. Ouais, ça va repush. Ah, t'es lourd. Ici, il a décidé de troller. C'est génial. Ça se fait plus que tomber en vrai. Ou... Ah non, c'est vrai que c'est le R de l'autre singe. Putain, il est en 3-0, sérieux, ça me dégoûte. La vision, c'est cool. Par contre, on va continuer de se faire freeze. Je vous avoue que je suis pas motivé à push contre un Ezreal Yumi, sachant qu'il y a Gragas qui peut venir à tout moment. Et TF également. Et Z à une TP. Donc bon. Ça reste pas aussi simple que ça, quoi. Juste péter les sorciers. Non, je rate ainsi. La mêlée. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont trop cons, ils perdent tout. Ils sont trop cons. Je dois me donner un fond. Les autres ne le feront jamais. On peut pas tuer là, il a pas pris l'aggro de la tour, ça me dégoûte. Je vais back, pas jusqu'à défendre la wave. Faire des golems.
push. Oh, il a 4 kills, genre c'est terrible. On bosse sur le Drake. Ils y étaient pas encore du moins. Il va pouvoir crash la prochaine, mais le problème c'est qu'il me faut quand même mes items. Après gros, ils savent pas gérer hein, franchement. Là la game ils ont décidé de la troller, H a trollé, Lee Sin a trollé. Genre c'est trop dur hein, genre. Oui, prends la wave. Oh. Et vrai, il est en 5-0, frérot. Je ne les laisserai pas me voir en difficulté. Elle est où la wave là? Terrifiant. Avoir des dégâts ou... On n'a pas de dégâts pour... Ok. Ok. Génial. Mes camarades ne sont pas mes amis. Ce sont mes... Un peu dur là. Et le RDH fait vraiment du bien. On n'a pas d'info Z. On a une lâche. Je dois flash à chaque fois, mais... Ok. Lee Sin est chaud. Non, je dis les termes, mais Lee Sin est quand même chaud.
Nice. Ok, j'ai ma fatigue. On va juste placer des trappes au cas où. Pas trop poke. Faut juste faire gaffe aux planques ici. Ah ouais, mais R quand on est là, bro. Là, on est tous d'accord pour dire que ça servait à rien, genre. S'il fait lui. Ouais, je suis niveau 14. Hein. Peut-être ping un peu trop, mais en vrai, Z est mort. J'ai pas eu trop de danger à part TF. La tour va tomber dans tous les cas. Ah, j'ai flash dans le mur. J'ai trop mal joué sur Ezreal. Juste push. Au moins ça va soutenir un peu Yon. J'ai ma force du vent. J'ai ma fatigue. Mon air aussi. Ok, Yon il termine la game. Let's go! Oh, elle était trop dure celle-là! Wouah! Franchement, gros GG à tout le monde et surtout à Lee Sin. Lee Sin a vraiment bien joué. Ashe au début a un peu trollé, mais après, en fait, son champion est tellement fort avec ses R pour faire des catchs qu'on a pu tous suivre. On a réussi à donner des golds sur Karthus. Yon a réussi à remonter. Non, franchement, on a perdu au début. J'ai regardé le graphique après. On a perdu au début et après, on a réussi à tout remonter. Et franchement, c'est incroyable. Plus 18, c'est quoi cette honte? C'est un peu mérité dans le sens où j'ai peut-être pas trop joué. En termes de gold, je suis... Quoi, comment ça, je suis even? Bon, avec... j'imagine qu'avec les kills, mais...
J'ai 10 de KDA, par contre je fais vraiment une bonne game. On va juste regarder si on peut, si on était devant au début ou pas. Avantage, et non. Du coup c'est bien ce que je disais, c'est qu'au début on perdait, on a perdu pas mal. De combien je dirais? Il y a 4000, 4300 le max, c'est ça? 4300, c'est pas énorme, franchement c'est pas énorme. Mais c'est juste qu'on avait une compo late je dirais, et j'ai bien farmé pour le coup. Karthus, Caitlyn en late c'est très très fort, Ashe aussi. Et eux en late forcément ils ont pas grand chose. Donc on a réussi à remonter et on est on a décollé hein, totalement. Si on regarde un petit peu mon champion, Ezreal a toujours été devant. Parce qu'évidemment, il récupère un doublé. Bon, comment ne pas être devant? Mais en fait, je ne l'ai pas lâché derrière. Tu vois, l'écart, il n'a pas bougé. C'est même rétréci ici. Hop, 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 hop. Mais derrière, c'est Lee Sin et Yone, je pense qu'ils ont fait un taf. Hein. Ok, c'est assez bizarre. J'ai jamais vu un truc comme ça, c'est quoi? Ok, ok, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pas mal, j'aime bien.